La voilà donc ce numéro 5 qui saute son troisième obstacle, tandis que c'est parti pour le numéro 6, Lady Lizis. Une fille de Cap-Garde avec une mère par Primoel, de la famille de Urga, de la souche de El Triunfo. Excellente famille du pur sang, El Triunfo a remporté le grand steeplechase de Paris. Urga, le 17, très à l'aise sur les obstacles. Ici, la grand-mère est par Dark Moon Monster, la grand-mère par Video Rock, la grand-mère Sotland. Trois victoires en plat, mais aussi trois victoires en obstacle. Donc c'est le tour désormais de Lady Lizis de sauter dans la ligne des écuries, la fille de Cap-Garde. Le 28 avril. On va accélérer désormais dans la ligne d'en face avec Fidèle de Grisée sur le plat. La grise donc. Et maintenant, c'est au tour de Lady Lizis de passer. Une Cap-Garde née le 28 avril, elle a 2 ans. Et elle s'étend devant vos yeux. Après avoir franchi ces 6 obstacles.